cœur pour le 126e régiment d'infanterie à Brive. La statue a été inaugurée ce matin sur l'ancienne place d'armes de la caserne brune. Cet animal, emblème de ce régiment, symbolise sa présence dans la cité gaillarde depuis plus d'un siècle. Et de bison vient d'être dévoilé sur l'ancienne place d'armes de la caserne brune. Cet animal est l'emblème du 126e régiment d'infanterie présent dans la cité gaillarde depuis 1907. Une tonne pour une sculpture grandeur nature réalisée par l'artiste briviste Pierre Mouza. Reportage Jean Perrier, Thierry Giraud. Il se dévoile enfin aux yeux de tous. 1m80 de haut, 3 de long, plus d'une tonne à la pesée. Un bison, grandeur nature. Son créateur, le sculpteur Pierre Mouza, voulait donner cette impression de force sereine et de détermination au-delà des générations. Ce qui m'émeut, c'est de savoir que dans 2 siècles, elle sera certainement encore ici. Et moi qui ai vu beaucoup de sculptures, il m'est arrivé de voir de la sculpture de sculpteurs inconnus, c'est pas grave. Mais savoir que des gens ont fait ça avant, il y a toujours une émotion. C'est toujours une émotion avec ça. Le bison, l'emblème du 126e régiment d'infanterie de Brive, il trône au cœur de l'ancienne caserne brune, aujourd'hui un parc baptisé du nom de Simone Veil. L'inauguration du mastodonte était à l'image des liens tissés depuis plus d'un siècle entre le régiment et la ville. C'est pas que du symbole, hein, c'est de l'histoire. Et il y a de l'émotion sur le parc Simone Veil, qui a été elle aussi une femme de combat et une femme de résistance. Voilà, c'est un moment particulier pour Brive et son histoire, et je crois que l'émotion est là. Et puis c'est emblématique de la journée, qui est la journée des blessés des armées, hein, où c'est toute la communauté briviste qui vient entourer son régiment et qui vient apporter son soutien. Et ce bison sera la preuve pour les années à venir de ce lien indéfectible entre le régiment et son armée. À peine dévoilé, déjà adopté, le public s'était déplacé en masse afin d'admirer ce nouveau venu dans le paysage briviste. C'est emblématique des soldats, de ce qu'ils font pour nous défendre. Voilà quoi, hein. Ça traduit un petit peu la dureté des combats et tout ça. Ça me rappelle tellement de souvenirs, tellement de choses formidables. Fier et vaillant, la devise du 126e, à n'en pas douter, ce bronze monumental ne laissera personne de marbre.